On démarre. En matière de cuisine, le bois de chauffe et le charbon de bois n'ont pas la même utilisation. Le charbon cuit à point le plat, mais moi je préfère le bois parce que quand tu prépares le riz avec le bois, tu peux avoir le goût dont tu as besoin. Quand tu prépares, tu peux diminuer le bois et l'éteindre alors que cela n'est pas possible avec le charbon. Il faut carrément descendre la marmite. Pour avoir le bois aujourd'hui, il faut parcourir environ 300 km de Bamako. Sinon, tu ne peux pas avoir du bois de chauffe. Nous sommes conscients du danger qui pèse sur notre environnement avec la coupe abusive de bois. Mais nous n'avons pas le choix. Nous faisons cette activité pour subvenir à nos besoins. La demande du bois est plus forte que le charbon, car le sac de charbon coûte aujourd'hui 6 000 francs CFA, voire 7 500 francs CFA. Tout le monde en a besoin. Notre objectif même est de faciliter la cuisine des ménagères au Mali ici. Quand on regarde un fourneau CFA, on voit principalement deux matières, c'est-à-dire le revêtement métallique et la pièce céramique. On se procure l'argile à travers les carrières. Les carrières, c'est un peu à quelques kilomètres de Bamako. Donc on ramasse notre argile là-bas, on amasse notre argile là-bas afin de faire notre pièce céramique ici, à travers différentes transformations, parce qu'il y a le tamisage, il y a le moulage. Ça ne prend pas beaucoup de temps, sauf que c'est en période d'hivernage que la pièce céramique prend du temps à sécher, parce que avec l'hivernage, il y a de l'humidité dans l'air. Donc, en temps normal, la cuisson d'une pièce céramique ne dépasse même pas une semaine. Mais avec l'hivernage, ça peut aller de 2 à 3 semaines. Nous avons l'hyperformat. L'hyperformat coûte 15 000 francs. Nous avons le super grand format. Le super grand, lui, il coûte 7 000 francs. Après ça, on a le grand format. Il est de 5 000 francs. Le moyen format est de 4 000 francs. Et le T-format est de 2000 francs. Comme les tailles, les couleurs aussi varient en fonction des tailles. Donc à chaque taille a sa propre couleur afin de faciliter l'identification des foyers sur le marché. La déforestation a beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc en plus de nos foyers de type CEWA, on est en train de développer un nouveau foyer qui s'appelle Nema Ethanol. Ce foyer a comme brûleur l'éthanol. Donc ce foyer n'utilise même pas de charbon, il n'utilise pas de gaz aussi. Donc ce foyer utilise l'éthanol. Donc ça, c'est notre défi majeur aujourd'hui, car on aimerait tôt ou tard arrêter l'utilisation du bois de charbon et du charbon de bois dans la cuisine malienne.